Bonjour Monsieur Batman. Bonjour. Très bien. Clark Kent pour le Daily Planet. J'aimerais savoir comment comptez-vous protéger Gotham en tuant tout le monde. Je tue personne. Vous avez des canons quand même partout sur votre... C'est pas des canons. C'est des bat missiles. Oui, des bat missiles. Des bat missiles. Oui, des missiles qui sont déguisés en chauve-souris mais qui tuent quand même des gens. Si vous tirez sur quelqu'un, la personne meurt. Non. Si je tire dans sa jambe elle explose. Mais la personne va très bien. Qu'est-ce que vous écrivez? Je veux dire que vous écrivez pas du tout ce que je dis. En effet, oui, parce que ce que vous dites n'est absolument pas communicable. J'essaie d'arranger votre image de presse. J'essaie d'être un peu sympa. Je sais bien qui vous êtes. C'est vrai que je suis très célèbre. Ma chronique sportive est très populaire. Non! Je parle pas de ça. Parce que t'es un super-héros. Mais je vois pas de quoi vous parlez. Enfin, quel super-héros aurait besoin de lunettes? Je vois très mal. C'est ton déguisement. Moi, j'avoue qu'il est super bien trouvé. Avec ça, moi je me souviens plus où j'en étais. J'ai pas de questions. Si t'étais un vrai journaliste, t'aurais des questions. Mais je suis un vrai journaliste. J'ai ma carte de presse et. Non, elle est pas là, j'ai dû la laisser avec mon costume. Mon autre costume. Si t'étais un vrai journaliste, t'aurais pas de quoi te payer deux costumes. Mais si, on est très bien financé. Notre journal il appartient à Bruce Wayne et on est bien payé. Je sais pas du tout qui c'est. C'est genre. Le milliardaire le plus connu de tout le monde. J'en ai rien à foutre des milliardaires. J'ai pas besoin de leur argent. J'ai déjà des avions, des tanks. Excusez-moi, mais vous devez être très riche quand même pour avoir des avions et des tanks. On vous a déjà demandé ça? Non. C'est pas parce que je suis très riche. C'est parce que j'ai un ami armurier. Franchement, ça tient. Je reprends. Au sujet du Joker, vous savez ce psychopathe, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ça? On dirait... du sang. Ben oui, bien sûr, et vous êtes dégueulasse, mais oui, c'est un pansement, oui. Je me suis coupé en me rasant, ça arrive à tout le monde, excusez-moi. Tu peux pas te couper en te rasant? Tu te rases avec des rayons laser, ça coupe pas. Attends... Comment tu sais que c'est moi? Oh merde, putain. Franchement, et... T'es lourd, hein. Mais comment tu t'es coupé quand même ça? Eh ben, figure-toi que je peux pas me raser avec un vrai rasoir. Parce que le rasoir, il se casse sur ma joue, c'est bizarre. Ouais. Donc l'ex-Luthor m'a offert un rasoir en kryptonite. Et du coup, ben, je me suis coupé avec les kryptonites. Un rasoir en kryptonite? Putain, mais c'est trop mal idée. Ouais, ça fait super mal alors, c'est bon. Superman a super mal. Lex Luthor, si tu nous regardes, big up! Ça me fait rien à votre cas en fait. Mais du coup, vu quoi la montre de Jimmy? Ah, bah la montre de Jimmy, bonne question. Elle envoie un espèce de signal laser que seul moi je peux entendre. Et du coup, quand on va aller faire la fête un peu et tout, genre quand il a besoin de moi parce que c'est mon ami et que j'aime bien avoir des amis et tout. Ou quand alors, c'est qui Jimmy? Jimmy, c'est. Enfin, dans certaines versions, c'est mon meilleur ami. Ouais, attends, parce que dans cette version, c'est moi ton meilleur ami. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Regardez, regarde là-bas. Tu m'entends? Oh. Et là, tu m'entends? Ah, oh, mais arrête. Mais arrête. Mais je suis juste à côté, c'est super fort. Oh. Je préférais quand c'était Jimmy, mon meilleur ami. Ah.